On n'est pas assez dans la merde, en fait, en France. Nouvelle montée d'escalade avec la Russie jusqu'à temps que ça dérape. Ils veulent que ça dérape, c'est pas possible autrement. Nicolas Dupont-Aignan, l'Ukraine. J'aimerais qu'on parle quelques instants de l'Ukraine. L'Ukraine qui veut que ses alliés l'autorisent à frapper l'intérieur de la Russie. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, parce que c'est frapper l'intérieur de la Russie avec des armes de l'OTAN. Oui. C'est pas avec des armes ukrainiennes. L'Ukraine a le droit de faire ce qu'elle veut pour se défendre. En revanche, accepter, comme veut le faire la Pologne, que des armes françaises, américaines, anglaise frappe Moscou, c'est déclencher la Troisième Guerre mondiale, c'est une folie. On a suffisamment payé cher l'absurdité de la politique française et américaine en Ukraine, hausse du prix du gaz, faillite de notre économie, etc. Après avoir bousillé l'économie française avec cette guerre qui, je vous le rappelle, n'est pas la nôtre, ils continuent, ils veulent des montées d'escalade. Il y a des gens, ils pourront même pas chauffer cet hiver quand on voit le prix du gaz. Je sais pas, on a l'impression que tout le monde a oublié. Ok, c'est beau, c'était l'été, il faisait beau. Il y a eu les Jeux Olympiques, patati et patata. On va voir comment que ça va se passer cet hiver. Il y a des gens qui vont même pas pouvoir bouffer. On a eu l'inflation sur la nourriture. C'est jamais redescendu, hein. Jamais. Et puis non, bah là on continue. C'est montée d'escalade. Comme ça, on va encore voir le prix du gaz exploser, l'électricité exploser. On n'en a pas eu assez. On n'en a pas eu assez, sincèrement. Et là, ils veulent attaquer directement la Russie. Bah pourquoi pas? Avec des armes françaises. Ils sont complètement barjots, ces gens-là. Ils sont barjots. Un jour, ça va déraper. C'est obligatoire. Ça va déraper. Un jour, on va en arriver là. Et tout le monde va encore s'étonner et dire « Oh bah merde, comment que ça se fait ?» Parce que moi, je vois encore des gens qui soutiennent Emmanuel Macron à travers tout son délire. On l'a vu, il s'est encore déplacé ce week-end. Les gens, ils sont là, ils font des selfies avec lui. Ils font des selfies avec lui. Ah non, il y a un problème. Il y a un problème dans ce pays. Plus Macron, il met les gens dans la merde, plus les gens lui lèchent le cul. Voilà où on en est. Non, mais c'est la vérité. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. On en est là aujourd'hui dans notre pays. C'est un délire total. Heureusement qu'il y a des gens qui sont éveillés, hein, je vous le dis. Hein, parce que des moments, ça fait vraiment peur tout ce qui est en train de se passer. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite des choses. Parce qu'on aura un live en direct d'ailleurs de l'Ukraine. Je vais vous faire voir certaines choses dans les prochains jours.